Salut, j'espère que vous allez bien. Si, Maxouille, on est parti pour le petit mousing. La patrie, les gars, la patrie. On finit avec le meilleur, hein. Bah, le meilleur, c'est du tireur. Je crois qu'on va quand même se faire un petit peu démonter le cul. Tout petit peu. Tout petit peu. Alors, change mon build. Pour pas changer. On va jouer artefact. Bon, on va essayer en tout cas. C'est quand même pas évident de jouer artefact, mais on va essayer. Malheureusement, j'ai pas le gantelet. C'est vrai que ça me fait un peu chier ça quand même. Est-ce que je jouerais quand même celui-là, du coup? Ouais, attends, je vais faire un truc alors, du coup, voilà. Je vais prendre cette armure-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, compétences, j'ai changé. J'ai enlevé donc le métabolisme à médecin, parce qu'il me fallait des points. Le bandage rapide, c'est pas utile. Hein. Tu gagnes 0,10 secondes, une seconde, c'est pourri. Franchement, c'est pourri. Par contre, ça, c'est bien, parce que ça te recharge. Donc le meilleur injecteur, ça te donne 75% de vie. Avec celui-là, t'arrives dans les 80, je sais plus exactement. Je crois que c'est 80, 84, un truc du genre. Donc c'est toujours ça de gagner. Malheureusement, bon voilà, tu peux pas recharger 100% de vie, c'est un peu con quand même, je trouve. Hein. Voilà. Le technicien, j'ai dû le réduire aussi. Ça me fait un peu chier parce que tu gagnais 7,5 secondes. Donc t'avais 30 secondes de base, plus 7,5 secondes grâce à ces stats-là. Ouais, j'ai du mal. Donc c'était franchement je trouvais ça vachement bien, donc ça me fait un peu chier de l'avoir enlevé, mais bon, il me fallait des points pour justement monter voilà la résistance et avoir le 50% de passif pour les artefacts, très important à l'avoir. Ça fait vraiment le taf. Donc 50%, redis 50. J'ai mis ces trois stats à fond de nouveau parce que c'est vraiment, ça te sauve vraiment la vie, je trouve. Donc il faut vraiment les mettre, c'est vraiment important de les mettre là. Donc rapidité pour le déplacement. Et moins 25% de ralentissement quand t'es blessé, donc ça te permet de fuir plus facilement. Et 5% quand tu cours, quand tu te fais sniper par exemple, tu meurs pas en un coup, il te reste toujours 5%, très utile. Et plus la respiration contrôlée, si j'ai le temps, bah si la vidéo dure pas trop longtemps, je vous ferai une vidéo. Ça vaut vraiment le coup de le faire quoi. De le prendre parce que justement, attends je vais mettre prêt. Attends non, je vais pas mettre prêt justement. Justement, merde, j'ai perdu le fil, putain, avec ça. Attends, j'ai perdu le fil. Tu vois vraiment la différence. Tu vois vraiment la différence, donc du gauche droite au bas du réticule. Donc ça, il faut vraiment le mettre. Ça, c'est vraiment très utile, autant pour les snipers que pour les autres. Bah peut-être pas pour le mitraillette et tout ça, mais au moins pour ça. Plus donc 30%, voilà. Ça, je peux mettre prêt. Donc j'ai 50% de passif, plus 30% en plus grâce à ça, plus 25% grâce à cette tenue-là. Donc on est pas mal, donc toi tricot je suis à moins 15%, plus moins 16%, ah oui par contre, ouais ben j'ai pas le sac. Si j'avais pris le petit sac en plus, mais bon le problème c'est que j'aurais été détecté par les scanners, ça c'est pas cool. Parce que le sac qui donne moins 25% que j'ai justement là, celui-là, qui donne moins 25% de récolte. Mais bon là j'ai assez, j'ai déjà pas mal. Hein. Donc j'ai moins 15%, plus moins 16%, et encore la stat n'est pas montée à fond, c'est moins 20, je peux aller jusqu'à moins 20, et on est vraiment bien quoi. Voilà. Je dois jouer en escouade pour... voilà. C'est pour ça. On va jouer en escouade. Voilà. Ma map préférée. Bon, pas évidente par contre au sniper. Il y a beaucoup de textures ici. J'espère que ça va pas spammer les smokes. Hein. Les smokes, il faudrait vraiment les supprimer du jeu. Hein. Je suis désolé, mais c'est insupportable. Les mines, ça va, tu peux les voir, mais les smokes... Pff, c'est chiant parce qu'ils copent dedans. Hein. Franchement, ils copent dedans. Donc c'est du TDM, donc logiquement, je devrais avoir le temps de prendre au moins un artefact. Je sais pas si on les utilisera tous, mais au moins on en utilisera quelques-uns. Bah au moins un. Parce que je le garde en passif, donc voilà. Par contre, dès que tu changes, si tu changes de personnage, tu perds forcément l'artefact que t'as sur toi. C'est logique. Hein. Est-ce qu'il y en a qui va se pointer par là? Non, t'es étonnant. Ah non, c'est par là que je suis allé, moi. Bah alors, ils avancent pas? Ça naïe, putain, il m'a fait peur. Je vois le truc vert là. Ouais, mais on est déjà chez eux là, c'est pas normal ça. Voilà, moi deux. Allez, oust. Ça dégage. Ouais, mais on va pas trop se féliciter parce que je sens qu'on va se faire démolir quand même. Hein. Évitons de faire le con. Ah. Bon, il l'a eu. Il faudrait que je repère un petit peu où ça spawn, allez. Allez, vas-y, d'accord, bien évidemment, allez.
Non, ça va assez prudemment, différemment. C'est différent. Putain, par contre, il a glissé, il m'a mis un bon shoot. Hein. Il faudrait que je regarde un petit peu où sont les... J'ai pas vraiment l'habitude de jouer artefact. Ah là, c'est fermé. Okay. Non, je crois qu'il campe. Hein. C'est ça que j'ai vu un mec là, non? Là, il y a l'Onyx là. Vas-y, je le récupère. Je crois que c'est l'Onyx ça. Seuil de douleur, voilà, c'est ça. Donc ça me permet de... Ouais, il a encore peur. Hein. De prendre 10% de dégâts en plus. Ils l'ont nerf, je crois, parce qu'avant c'était pire. Hein. Par contre... Allez, boum. J'étais pas sûr. je savais pas exactement où il était. Ils l'ont nerf, je suis quasi sûr qu'ils l'ont nerf. Avant c'était vraiment cheaté l'Onyx. Hein. Mais tant mieux, non, non. C'est bien justement qu'ils l'ont nerf. Il est à ma droite, je crois. Mal à savoir où il est. On a eu de la chance, hein. Faut qu'on se barre de là. Hein. Ils vont se ramener. J'aime pas le spawn kill, moi, de toute façon. Et toi, je t'ai vu, toi. Il est où? Il est là. Non, il est à moi. Tu me le voleras pas. Non, monsieur. Donc voilà, par contre, le Onyx, ce que je comprends pas, c'est qu'il a une durée limitée. Tu peux pas le garder indéfiniment dans la game. Ça, avant, tu pouvais le garder indéfiniment en passif. Oh, toi, je t'ai vu, toi. Voilà, quand même... Merde. Quand même efficace, le truc, hein. Par contre, les massacres, les pauvres. Merde. Dommage. J'aurais dû prendre un peu plus de temps. Hein. Je vais aller un peu trop vite, à des fois. Au snipe. Mais bon, je préfère aller, justement, m'habituer à balancer des balles très vite, arriver à les placer, que prendre trop de temps et me faire défoncer à chaque fois. Hein. C'est quand même mieux de jouer comme ça, hein. Il a été vite lui aussi. Il est mort? Il est chez nous. Il est clairement chez nous. J'essaie d'écouter. Il est juste à ma gauche, je crois. Non, il est mort, mais bon. Mec, il est en... Comment ils font pour pas les voir les mines? Putain, elles sont rouges quoi, franchement. Non, mais les alliés, tu te demandes des fois s'ils ont le cerveau. Hein. C'était un joueur, hein. C'était même pas un bot. Hein. Il n'y a pas d'autres artefacts là? Merde, ah non, c'est bon. Ah, alors, ah, vas-y, il a la stat. Non, je suis mort. Ah non, ça va, c'est un allié. Oh putain. Il a la stat pour lancer des grenades quand il meurt. Hein. La stat de petite bite, quoi. La grosse stat de bâtard, même. Mais il a pas d'artefact? C'est quoi ce délire, là? Tout le monde les récupère ou quoi? J'ai vu qu'au... Merci, très gentil, très aimable. Non, mais lui aussi, il lance des grenades. Il est en bas, hein. Je peux pas aller plus loin. C'est dangereux de se foutre là. Hein. Bon, y'a personne ici au moins. Là, il y en a un qui va spawn. Attends, on va l'attendre. Mais non, mais ne le pète pas, mais il est con lui. Oh! Il est con lui, pourquoi? C'est lui qui fout la merde en fait, il les enlève.
Bah, il me tue, je m'en fous, hein, qu'il me tue, on me bat les couilles, il peut me tuer. Non, mais il a pas compris, moi je prends, nain, mais m'en fous de ta vie, moi. Moi je la récupère, connard. Parce que sa gueule, oh. But better luck next time, hein. Bon, il a pas compris, mais on laisse tomber, voilà, c'est bon. Moi, ah oh, merde, il y en a chez nous. Oui, il corbe méchant. Hein. Avec une AK-12 petite bite. Mais il m'en faut un autre là. Je pourrais pas vous les présenter tout. Mais c'est pas grave, je reprendrai le build. Hein. Je reprendrai le build pour les mitraires de toute façon. Donc. Là, je ne sais pas tuer. Là, il a prise. Vas-y, barre-toi de là. Oh, cale des petites bouboules là. On cale des petites bouboules. Plus, je savais que j'allais pas le tuer. Hein. Il a la zoube, le mec. Hein. Lui, il veut quand même me buter quoi. Là au-dessus, je crois. Ouais, je pense que j'arriverai pas à vous en montrer un autre. Hein. Ouch, ça picote. Hein. Vas-y, 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 je te l'amène, mon gars. Je te le ramène. Ne loupe pas. Ah bah, tu l'as loupé, t'es mauvais. Approche. Et merde. Et non. Ah, il y en a un qui va back. Oh putain. Dommage. Dommage, dommage. Ah mais non, c'est encore une onyx. Bah attends, je le récupère, hein, je l'ai perdu. Ouais, du coup, ça me protège bien la tenue. Hein. Je perds quasi rien à les récolter. Mais c'est bien qu'il en nerf. Ouais, mais l'autre, il est en train de les péter encore. Hein. Faut chier à les péter. Hein. Je dis ça, mais avant, je les pétais toutes. Hein. Il vient de passer à fond de balle. What? Ah, c'est que je suis émis. Il avait lancé sa grenade? Non, mais c'est ça. Elle me pète à travers le truc en sol. Faut arrêter de déconner, quoi. C'est n'importe quoi, c'est cheaté, ce truc. Hein. D'où la grenade me pète à travers le sac de sable. Hein. Faut-il se foutre de ma gueule, là. N'importe quoi. Hein. Mais ta connerie, putain. Il a eu? Ouais, il a eu. Ouais, t'as vu la mine? Ah bah, lui, au moins, il regarde. Le match se termine dans 30 secondes. Ouais. C'est pas grave, de toute façon, on aura encore les fusées à pompe à faire, donc je vous les présenterai à ce moment-là. J'essaierai de prendre un check, hein, si j'ai la possibilité. Il y en a qui courent plein, faut que je fasse gaffe. Parce que là, je suis tombé sur des... les anti-artefacts. Les bons joueurs tirent artefact. Oh putain, cours. Ah, ce coup il lui a collé. On a mis des sales fenêtres, oh, putain. Par contre, il commence à faire noir, je suis désolé. Hein. Je sais pas si la caméra. Ouais, bof. Ça va, vous voyez encore. Ouh, support. J'ai pas sais pas pourquoi, mais. Au moins, on a eu un truc. Hein. Donc, du coup, je suis à 29. J'ai utilisé mes poids forcément pour augmenter quelques petites stats sur mes tenues. Hein. Donc là je suis à moi, donc c'est celle-là qu'il faut que je change. Voilà. Donc j'enlève le recul, vu que c'est mon build pour sniper, donc pas utile. Je vais enlever le recul pour essayer d'avoir les moins 20%. Bah tiens, j'ai moins 12. Oh, j'ai eu peur. Moins 3.7. Moins 20, parfait. Voilà, nickel. Comme ça je peux récolter plus vite, c'est très important, il faut. Hein. Donc là je suis à 45% de récolte, du coup. Plus le passif voilà, qui est un petit peu réduit vu que j'ai pas le plus 25, donc j'ai 50, j'ai 75, voilà. 77, oh, pourquoi je... Ah, je rachète. Ouais, j'en ai plus du coup. Ouais, je vais mettre ça. D'autres réapparitions.
Merci pour tes vidéos. Dieu de la nature maintenant. Énorme. Ah bah voilà, s'il regarde la vidéo, il va pouvoir la voir. French guys. Énorme. Ready? Attends. C'est bon, j'ai eu le truc qu'il me fallait. Donc le quoi, c'est quoi? Trois ennemis avec le pistolet, ok. Parfait. Voilà, je vais le laisser tranquille. Pas mal ça, je tombe sur un français. Tout à l'heure j'ai vu qu'il avait des français. Justement, il m'a repéré quand... énorme. Ça c'est bon, ça fait toujours plaisir, ça c'est trop cool. Hein. Le nombre de fois que ça m'arrivait sur Heroes en général, c'était... C'est toujours génial quoi, de voir ça. Enfin. Bon, allez, je vous laisse. Bonne soirée. La prochaine fois, fusée à pompe. Je peux vous indiquer quand même, je reparlerai demain de toute façon pour les mitraillettes. Mais on le fera probablement pas, mais je suis pas sûr. J'espère avoir une mise à jour de Prehistoric Hunt en attendant. Mais sinon, bah, si on fait les pompes, je pense qu'on en fera deux par deux. Je pense. Voire peut-être trois. Ouais, on verra. Je sais pas encore. Pas encore comment on va faire. Mitraille peut-être aussi deux par deux, on verra. Mais en tout cas, ceux qui ressortent du lot, c'est la SR2M, SR3M aussi, mais elle est rare. La crise vecteur qui est très forte. La PSA, je suis pas... Voilà, il me faudra un petit viseur pour... Mais l'alerte est très forte aussi, mais pour moi, je suis pas... Voilà. La crise vecteur, c'est sûr, valeur sûre. APS avec valeur sûre. PP19, pas mal. UMP est forte aussi. Très facile à utiliser et forte aussi. Pas terrible. Celle-là je l'ai pas testé, je sais pas vous dire. Mais elle a l'air pas mal. L'usée est bien aussi. Voilà. Mais ceux vraiment qui ressortent, c'est ces deux-là. Hein. C'est ces deux-là. La PSAC, elle est facile à utiliser. La Vector aussi, elle est vraiment facile à utiliser. Mais l'UMP est vraiment bien aussi. Hein. Elle est vraiment sympa. Et celle-là aussi, voilà. Donc ces trois-là, du coup. Mais la P90, je suis vraiment pas fan. Hein. Je suis vraiment pas fan du tout. Sur le jeu, je trouve qu'elle fait pas assez de dégâts. Je sais pas, elle est bizarre. Elle se comporte vraiment bizarrement. J'ai pas l'impression qu'elle est ouf, quoi. Enfin bon, c'est peut-être moi qui l'aimais à le monter, je sais même plus ce que j'ai mis dessus. Ouais, j'ai des bons trucs dessus, à bien monter, donc je sais pas. Je sais pas. Faudrait que je teste, hein. Je vais voir. Pour ce bonne soirée et à la prochaine, à demain. À plus.